Bonjour, donc nous voici pour encore un petit effet, un grand classique qui est un sandwich. Tiens Thierry, je vais récupérer 4 dames comme ceci. Oh, bien sûr que j'avais placé au-dessus. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Ouais, et ben non, il n'y en a pas d'autres, c'est pour ça que je vais mélanger le jeu et que je vais te le prouver. Voilà, si tu veux vérifier. Ouais, non, je te fais confiance. Le jeu, alors bien sûr, c'est encore une fois un tour qui se fait donc sans préparation. Donc un tour impromptu et qui peut se faire avec n'importe quel jeu de cartes que vous empruntez même à un ami. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc là il y a des dames, on aurait pu mettre des rois. Tout à fait. Mais allez, c'est parti. J'ai l'habitude de le faire avec les dames, donc j'ai sorti les dames. Et en plus j'avais mis sur le dessus du jeu les dames, c'est donc je vais le faire avec les dames. Voilà, donc je vais mélanger. Thierry, tu vas choisir une carte n'importe laquelle, celle que tu as envie. Donc bien évidemment, ouais, je mets la main. Le spectateur choisit une carte librement. Tu vas la regarder, donc même si je la connais c'est pas grave. Et tu vas venir placer cette carte entre deux dames, ou soit les noires, ou soit les rouges. Les noires, super. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer tout ça, donc ta carte sandwichée entre les deux dames, ok? Et je vais venir insérer ça en fait dans le bas du jeu, d'accord? Donc je laisse, d'ailleurs je vais laisser un peu comme ça, je vais laisser ta carte sandwichée entre les deux dames dans le bas du jeu, et moi je vais garder que la partie haute des cartes, ok? De façon à ce qu'il n'y ait aucun lien avec ta carte sandwichée entre les dames noires et entre le jeu du dessus. D'accord ? Maintenant, ce que je vais te demander, tu préfères la dame de cœur ou la dame de carreau ? Comme c'est là, carreau. Carreau ? Ouais. Alors, donc on met comme ça ? Donc ouais. Regarde bien, dame de cœur, dame de carreau. Ces deux dames, je vais les mettre face en bas sur le dessus du jeu. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on attend un petit peu et qu'on claque des doigts, il peut se créer un voyage instantanément. Et pourtant, ça paraît impossible entre les dames rouges. Il y a une seule et unique carte, le 3 trèfle. C'est ça ? Oui. Entre les dames rouges, le 3 trèfle. Ce qui est assez étonnant, c'est que si je remets tout ça ici, et que je retourne les dames, et qu'on attend un petit peu, la carte peut encore une fois voyager. Et je te le prouve, car si on regarde maintenant entre les deux dames, il n'y a absolument plus rien. Alors tu vas me dire, mais où est passée ma carte ? Eh bien, en fait, depuis le départ, ta carte est passée et restée. Entre les deux dames noires, je te laisse retourner ta carte, pour pas dire que je triche, et bien évidemment, on peut encore une fois examiner le jeu qui n'est pas une carte en double, et qui n'est pas surtout des dames en double. Bizarre tout ça. C'est joli. Voilà,